Je vous souhaite de passer un très agréable dimanche 12 septembre. Le ciel est un petit peu plus nuageux au passage d'une perturbation au front froid qui traverse la France d'ouest en est. Nous avions ce matin un ciel un peu gris sur le nord-ouest du pays et cette perturbation se décale. Se désagréger au profit du soleil. Tout au plus aurons-nous un petit voile de nuages plus ou moins épais. Plus épais donc sur le nord-ouest à l'approche de cette nouvelle perturbation qui va circuler le long des côtes de la Manche associée à quelques rafales de vent jusqu'à 40 km/h. Cette perturbation sera de faible activité. Le sud-est et la Corse, grand beau temps avec un peu de tramontane. Tout ceci dans une atmosphère aux températures un peu plus fraîches au passage du front froid. Nous attendons 18 à 31 degrés. Les températures resteront stationnaires et au dans sud. Dans l'après-midi, des températures encore très estivales et même au-dessus des normales de saison, entre 19 et 27 au nord et jusqu'à 29 degrés sur la moitié sud. Eh bien, ce sera plus lumineux, plus ensoleillé. La perturbation se sera décalée sur les régions de l'est avec quelques ondées. Nous retrouverons après dispersion des brumes et brouillards, de très belles éclaircies à peu près partout. Le Mistral et la Tramontane vont se renforcer bordant la Méditerranée. C'est dans le sud-ouest qu'il fera le plus chaud en ce samedi. Alors la suite du programme avec dimanche, donc notre nouveau front qui va balayer la France d'ouest en est, lui aussi sera de faible activité, donc quelques pluies sur son passage. À l'arrière, retour de basses éclaircies sur le nord-ouest, mais de l'air un peu plus frais. Et puis à l'avant, un ciel de plus en plus voilé à l'approche des nuages. Nuages qui devraient éviter le sud-est, en tout cas le pourtour méditerranéen où on aura encore beaucoup de soleil. Nous aurons l'arrivée d'un petit front sur les côtes de la Manche avec son lot de nuages et de grisailles associé à un vent de sud-ouest. Alors progressivement, eh bien, un voile de nuages s'installera par le nord-ouest, mais dans l'ensemble, lundi sera une belle journée avec toujours du vent en Méditerranée. Puis lundi, eh bien, notre perturbation se situera à l'est. Elle prendra un caractère instable, notamment sur le relief où il faut s'attendre à quelques averses orageuses. Retour du Mistral et de la Tramontane, des rafales jusqu'à 70 km/h. Et puis partout ailleurs, un temps qui sera plutôt ensoleillé, en tout cas de très belles éclaircies, plus variables toutefois sur le nord de la Bretagne, sur le Cotentin. Et quant à nos températures, demain matin, elles seront en baisse, comprises entre 8 et 19 degrés. Et dans l'après-midi, eh bien, elles seront de saison. Et oui, 17 à 28 degrés. Et oui, ça se rafraîchit. Et voici l'éphéméride. En ce samedi 11 septembre, nous fêtons la Saint-Adelphe. Le soleil va se lever à 7h22 pour se coucher à 20h12. Excellente fin de nuit. Je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche. On fête Apollinaire aujourd'hui.